C'est au siège historique de la Chambre de commerce de Paris que la présidente du département, Nassima Nindar, a reçu le prix Culture et Loisirs du Paris Shop and Design 2016. Ce prix récompense la boutique de La Réunion, située à l'antenne de Paris, pour son design et la présentation artistique des objets artisanaux présents dans cette boutique. Recevoir un prix sur le plan national pour la vitrine, la boutique de La Réunion à Paris, c'est d'abord une fierté pour nous, pour l'ensemble des Réunionnais, sur le savoir-faire que nous avons, et puis aussi sur le contenu même de la boutique, avec les produits pays, la filière boîte Goyavier et son design. C'est un prix design et shop, shop et design. Ça montre bien que sur le commerce, eh ben, La Réunion a un vrai savoir-faire, et puis la Chambre de commerce de Paris, qui honore au fond avec un jury de qualité qui vote pour nous et qui reconnaît que cette boutique, elle a une certaine originalité. Et ben, je crois que La Réunion, nous sommes fiers. Pourquoi ? Parce qu'elle représente la diversité française sur le bout de l'océan Indien, parce que nous sommes la France de l'océan Indien, et que petit caillou dans l'océan Indien, avec la capitale ici à Paris, cette belle représentation, c'est véritablement une reconnaissance et pour la boutique et pour l'ensemble du savoir-faire réunionnais. On a trouvé d'abord que le projet était magnifique, qu'il y avait une recherche très intéressante sur les matériaux, surtout. Ce qui est particulièrement intéressant, c'était de voir que c'est a priori un lieu très institutionnel et justement tous les codes de ce genre de lieu-là a été bouleversé, que c'était vraiment un lieu qui voulait refléter l'île de La Réunion et faire vivre cette expérience de La Réunion, donner envie d'y aller, qui l'a fait rayonner aussi dans Paris, puisque on a la chance effectivement de pouvoir avoir ce genre de belles boutiques dans Paris aussi. La boutique de La Réunion a séduit le jury du prix Culture et Loisirs pour son originalité et la diversité de ses matériaux. C'est pour le conseil départemental le moyen de mettre en avant la filière boîte Goyavier. Et tout de suite, ça a pris une envergure, 12 personnes, 40, 50. Aujourd'hui, autour de cette micro-filière de la production à la distribution, ben, on est autour des 150 personnes, directes, en indirect. Il y en a qui coupent, qui collectent, il y en a qui transforment la matière et il y en a qui le distribuent, tel qu'on a quelques boutiques à La Réunion pour vendre du produit. D'où maintenant à Paris, c'est une grande fierté pour cette équipe. Et la panoplie des produits, elle va du petit ustensile en passant par le mobilier de jardin, de la maison, et autour aussi de cette forme d'hébergement insolite où ce bois qui d'ailleurs m'a intéressé de par ses caractéristiques et sa nature, c'est une espèce envahissante. Et de ce fait, le Conseil Général détient 80% des forêts départementales de manière à La Réunion, d'où pour moi il y avait une richesse. Le bois pauvre, il a été anobli jusqu'à ce prix décerné à la collectivité, je dirais. Cette récompense offre une visibilité nationale et internationale du savoir-faire réunionnais. La boutique de La Réunion fait désormais partie des plus belles vitrines des commerces parisiens.